Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage du HTML5, nous allons voir la leçon numéro 27 qui portera sur le formulaire. Alors ce sera la partie 1, car on a beaucoup de choses à dire. En ce qui concerne les formulaires, on en trouve de partout sur le web. Lorsqu'on vous demande de remplir login et mot de passe, afin d'accéder à votre compte, vous passez par un formulaire. La page contact est tout simplement un formulaire où vous trouvez différentes informations, comme ceux que l'on va décrire ci-dessous. Au départ, un formulaire commence toujours par la balise « form ». Ensuite, on trouve des balises de type « label » Type. Alors là, on aura différentes options que nous verrons. Nous en verrons quelques-unes car il y en a vraiment beaucoup. C'est pour ça que j'ai fait en sorte de partager mon formulaire ou mes vidéos. On aura partie 1 et partie 2. Je vous, mettrai, je vous montrerai les parties, on va dire, les plus euh, courantes et ceux un peu plus complexes. Vous aurez ensuite Texarea. C'est souvent euh, le, une balise qui vous sert en fin fait, de compte pour mettre des commentaires. Vous verrez cette balise, on peut la redimensionner. Ça vous permettra de mettre beaucoup de mots. Par exemple, ça peut être 200 ou 300 mots. Ensuite vous avez la balise SELECT qui vous permettra en fin de compte de tout simplement euh, sélectionner différents éléments. Et plein d'autres choses encore. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble au niveau du code HTML et CSS. Donc nous voici sur le site internet, comme d'habitude Poisson pour tous, où ici on retrouve à la fois les fichiers HTML, CSS et ainsi de suite. Donc l'élément qui nous intéresse, c'est celui-ci, vous voyez, c'est exemple d'un formulaire. Alors on va le décrire bien évidemment pas à pas afin qu'on comprenne bien tout ce qu'on a fait, parce qu'on a pas mal de choses à voir. Donc, comme je vous disais, un formulaire commence toujours ici par Forme. Vous voyez, on a exact, on a, à cet endroit-là, on a la balise Forme et elle finit à cet endroit-là. Forme. Donc, tout ce que vous mettrez dedans sera compris dans votre formulaire. On va commencer par une classe, tout simplement afin de mettre en forme le formulaire. j'ai fait un background, là je vous montrais tout à l'heure au niveau du CSS où j'ai récupéré l'image de la fond du mer avec les deux poissons et ainsi de suite. Action, en fin fait, de compte, là c'est quelque chose qui touche ce qu'on appelle les pages dynamiques, c'est-à-dire que quand on va valider un formulaire, bien évidemment il ne se passera rien. Il faudrait qu'on commence à utiliser ou à comprendre le langage, en l'occurrence PHP, moi c'est le langage que j'utilise, mais ça ne fait pas du tout partie de ce cours. Quoi qu'il en soit, lorsqu'une personne clique sur le bouton envoyer, que vous voyez en dessous, automatiquement celui-ci va être traité soit par une base de données, soit par un autre langage, afin de pouvoir dire ok j'ai récupéré les informations et je les traite dans une base de données. Ici, vous avez la méthode. Dans la méthode, vous avez deux méthodes. Vous avez la méthode post ou la méthode get. C'est tout simplement le fait de transiter les informations. Par get, ça transitera par l'URL, c'est-à-dire qu'au niveau de votre barre de... Regardez, je vais cliquer ici. En fin de compte, ça transiterait par là. Vous voyez des fois des points d'interrogation avec ou des deux points, avec des informations dedans. C'est ce qu'on appelle la méthode get. La méthode post, en fin de compte, elle passe de manière, on va dire, invisible. Mais attention, ces deux méthodes, ce soit post ou get, sont, euh, ne sont pas sécurisées. Hein. Ça sous-entend que les informations, il faudra euh, derrière mettre un code en PHP afin de sécuriser les informations que vous allez envoyer. Bon, voilà pour la petite information. Donc là, j'ai mis tout simplement une balise h4 en mettant gestion un formulaire. Et comme je disais, c'est la partie 1, car il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc on va commencer ici par la balise label, où je dis label. Alors si on vient ici, vous voyez, c'est ici nom. Hein. Donc on a label et fin label, donc c'est défini cet endroit ici. Parfait. Là j'ai mis fort parce qu'en fin de compte les personnes souvent quand elles cliquent sur le nom automatiquement, vous voyez ce qui s'est passé, mon curseur est descendu automatiquement sur mon input. Tout à l'heure je vous disais qu'on va rencontrer différents types, mais en fin de compte je parlais de la balise input qui comprend la propriété type et dedans dans type on aura différents types, ce sera texte, enfin, il y aura plein plein de choses. Donc on va voir ça tranquillement au fur et à mesure, mais c'est vraiment par rapport à la balise input. Donc, si on regarde la balise input, vous voyez, on a type égal texte. Donc, c'est ici le nom. En fin de compte, il faut toujours définir un nom pour une balise de type input. Donc, on va définir un nom. Par exemple, ce sera name et on dit nom. Donc là, il dit, en fin de compte, c'est tout simplement euh, quelque chose qui pourrait servir dans le langage JavaScript. Là aussi, on verra ça un peu plus tard. Je peux comprendre le fait que certaines personnes soient frustrées par le fait qu'à ben, chaque fois, je parle de différents langages. Mais il faut bien commencer doucement, c'est-à-dire les bases, les bases, les bases. Une fois que vous aurez bien compris les bases, on pourra tout doucement avancer. Et la dernière, c'est placeholder. Alors placeholder, en fin de compte, c'est tout simplement, vous voyez, ici, on a un nom. C'est-à-dire si je commence à taper les choses, automatiquement, celui-ci disparaît. C'est assez intéressant, ça permet de définir de quoi on parle. Alors là, ce que je vous ai expliqué, on retrouvera bien évidemment sur le prénom. Donc on trouve bien input type text, name, prénom, ID et ainsi de suite, avec un placeholder. Ce qui est intéressant, c'est au niveau du mot de passe. Vous voyez, on a donc le label, comme d'habitude avec le fort. Si je clique ici, regardez, si je clique sur le prénom, automatiquement, vous voyez ce qui se passe Ça sert à ça, le fort. Hein. Donc si je clique sur mot de passe, donc le nom, automatiquement, le curseur va dans le input. Mais vous voyez, c'est un input de type password. Donc la grosse différence, c'est que si je tape mon password, ben, vous avez des petits points ou des étoiles selon votre navigateur. Ça sous-entend que le, ce que vous avez tapé est caché. Là aussi, ça, cela sera traité par un langage de type PHP qui décryptera ce que vous avez rentré. Si je continue, vous avez maintenant le textaria. Alors le textaria vous avez vu, j'ai fait un petit, petit effet simplement de hover, c'est-à-dire que dès que je vais placer ma souris, ça va changer. Ici, je définis, ce que j'appelais la, la case à commentaire, en fin de compte. Hein. De toute façon, je l'ai comment. Donc vous avez un nom, comme d'habitude. Si je clique ici, regardez, je clique ici sur prénom, ça va bien ici. Si je clique sur commentaire... Mon curseur s'affiche bien ici. Vous pouvez définir une longueur de caractère, en l'occurrence je dis 100 caractères. Ici, nombre de lignes 10 et colonne 30. Ça sous-entend que ici, vous voyez, on ne on va pas pouvoir aller au-delà. Un ID au cas où si on a besoin pour le JavaScript et le placeholder comme d'habitude. Donc si on continue, donc si on continue maintenant, on a quelque chose d'intéressant, c'est la gestion d'un type checkbox. Vous voyez, c'est ici. En fin de compte, très souvent on vous demande de cocher des cases qui vous permettra de récupérer l'information. Donc c'est ici. Vous avez toujours un label avec le fort, comme d'habitude, et le input. Type, checkbox. ID, check oui, j'ai marqué. Name, check oui, checked. Alors, check, ça veut tout simplement dire que par défaut, si je rafraîchis ma page, celle-ci, vous voyez, est cochée. C'est-à-dire qu'au niveau de news, on a bien la case cochée. Quand vous enlevez check, bah, la case n'est pas cochée par défaut, tout simplement. Donc, j'ai dit une ou deux, c'est-à-dire check oui, check non. Donc, je l'ai l'appeler news et actualité. Continuons. La gestion d'un type radio. Alors, la gestion d'un type radio est très intéressante aussi. Vous allez voir une subtilité ou quelque chose de très précis. Ici, vous avez donc type radio. À chaque fois, vous voyez, c'est bien marqué radio, 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 et ainsi de suite. Par contre, vous devez remarquer quelque chose. On a le même nom. On a name, CSS, CSS, CSS. Si par hasard, vous changez un nom, vous ne mettez pas le même, vous ne pourrez pas faire ce genre de choses. Celui-ci, en fait compte, euh, au lieu de cocher, c'est comme c'est un choix. Au lieu de cocher jaune, rouge ou aucun des deux, bah, il cochera les deux. Et là, évidemment, euh, là, le traitement en JavaScript ou en PHP, il aura du mal à comprendre ce qui se passe. Donc, là, si on prend maintenant le input type radio avec le nom CSS, comme je vous disais, la value, c'est tout simplement une information qui sera traitée aussi par JavaScript. Donc, on a fait pareil, on a fait jaune, rouge et aucun des deux. Tout simplement. Autre option intéressante, c'est le select. Alors, le select, comme vous pouvez voir ici, c'est tout simplement un choix donc homme, femme ou neutre. En l'occurrence, vous êtes. Donc on a le label comme d'habitude. Et ici on a l'option. Donc option value, bah, c'est homme, c'est-à-dire que là, on a l'information qui apparaît, femme ou neutre. Vous aurez un nom et un ID là aussi qui pourra être utilisés pour le JavaScript. Si je continue, alors, on n'aura pas tout vu, loin de là. Comme je disais, c'est vraiment la partie 1 et non la partie. Euh, on verra d'autres choses dans la partie 2, un peu plus, euh, on va dire, moderne, ce qui est en fin compte très souvent utilisé pour le HTML5. Là, je vous montre la photo du livre en HTML5. Euh, regardez ce livre ou si vous aimez l'acheter, achetez-le, vous apprendrez beaucoup, beaucoup de choses dans ce livre. Moi, bien évidemment, je me sers de ce livre, plus des sites internet et bien aussi de tout ce que j'ai pu apprendre depuis les années que je code dans ce langage. Dernier point intéressant, c'est celui-ci. Input type submit. Alors là, vous voyez, submit, ça veut tout simplement dire envoyer. Avec la valeur, vous voyez, envoyer. Alors là, j'ai fait aussi en... On va regarder tout à l'heure le CSS, hein. ne vous inquiétez pas. Et le dernier, c'est type reset. C'est-à-dire que si ici, vous tapez les informations, et je tape n'importe quoi, et si je clique sur annuler, automatiquement, tout va être effacé. Donc ça sert à ça. Regardons maintenant le CSS. Donc là, comme je vous disais, au niveau du formulaire, qu'est-ce que j'ai fait ben, Je vous ai créé une bordure, un margin, un badding, tout ça, vous connaissez maintenant. Hein. Et si vous regardez bien, j'ai repris à l'identique ce qu'on avait tapé ici au début, c'est-à-dire... Que cherche voilà c'était ici rappelez vous le slide en fin c'est cette partie là on avait défini différentes images au niveau du background image ben, j'ai fait exactement pareil je trouve que ça fait assez sympathique et ça peut vous donner des idées pour ce que vous voulez faire plus tard donc là on a quelque chose d'intéressant on a donc le form le formulaire hein, parce que j'ai créé une classe rappelez vous ici au niveau de l'index j'ai bien défini ici une classe en forme voyez donc, si on revient ici, une style CSS à chaque fois, j'utilise ma classe .form. Après, je mets input, et là, vous voyez, je vais vraiment cibler mon type texte. Donc, je lui demande de cibler les types texte, les types password, select, textarea. Et je lui demande quoi Je lui demande une largeur de 100%, un padding de 12 pixels, une petite bordure d'un pixel en solide avec une couleur grise, un border radius de 4 pixels, et un box sizing. Alors, box sizing, c'est assez intéressant comme option. Si vous allez ici, vous voyez, il vous explique ce que ça fait. Là aussi, je vous conseille vivement d'aller voir les différentes options que je mets quand vous avez un doute. Moi-même, hein, des fois, je ne me rappelle plus ce qui, qui fait quoi. C'est évident, hein, on ne peut pas tout savoir. Vous avez aussi le site W3School qui vous donne pas mal d'informations. Attention, celui-ci est en anglais, mais il n'empêche que si vous allez sur try, it, you vous allez très vite comprendre ce que celui-ci fait. Vous avez beaucoup, beaucoup d'explications sur le CSS, le JavaScript, et ainsi de suite. Je m'en sers beaucoup. J'adore ces, ces deux sites Internet, ils sont très intéressants. Revenons à nos moutons. Donc ici au niveau de forme label, bah, je définis simplement un petit padding, un display, inline block afin que celui-ci soit bien mis à ce niveau-là. Le select, bah là vous voyez, j'ai mis cette fois-ci 50%, un padding, une bordure, un border radius et le box sizing border box. Text area, je lui définis 100%, et c'est pour ça qu'ici vous voyez, j'ai fait un petit over, bah, vous voyez ici, il hein, n'y a rien d'extraordinaire, hein, tout ça on l'a vu ensemble dans les différentes leçons, rappelez-vous. Il n'y a vraiment rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Si on prend maintenant le form input type submit et type reset, c'est-à-dire mes deux boutons qui sont ici, je vais définir une couleur, donc un background color, une couleur, un padding, un border none, c'est-à-dire que là, vous voyez, on n'a rien qui apparaît. Un petit border radius, et en fin de compte, j'ai fait un over. Alors oui, c'est vraiment ça qui peut être perturbant pour vous, c'est que pour y accéder, on accède à la balise, et après au type, c'est-à-dire en l'occurrence, submit, ça peut être texte, password, et ainsi de suite. De toute façon, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude le code, je vous le mettrai à disposition afin que vous puissiez jouer avec, le modifier et comprendre tout cela, comment cela fonctionne. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus cette vidéo. Alors ici, vous voyez, on a encore un autre formulaire que je m'étais amusé à laisser. Euh, ça sera à partir d'une autre vidéo, pas la prochaine, mais peut-être l'autre d'après, pour vous expliquer comment insérer une page Google Maps. C'est toujours intéressant. Vous voyez très souvent dans les contacts. Pour finir, comme d'habitude, ici au niveau du site languepourtous.free.fr, vous allez pouvoir accéder en cliquant sur le bouton cours. Et là, vous aurez comme d'habitude le fichier Zip sur la leçon numéro 27 qui porte sur la gestion d'un formulaire, partie 1. Voilà, donc je n'en dirai pas plus cette vidéo. C'était donc la chaîne Ça va pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Pour la prochaine vidéo, nous verrons donc le formulaire partie 2, c'est-à-dire que là on verra vraiment des options intéressantes qui sont arrivées au niveau du HTML5. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye